Après 60 ans de carrière, un nouvel album de Paul McCartney, c'est un événement. Seuls ces quelques notes ont fuité, selon un plan marketing à la mesure de la légende. Alors comment Paul McCartney a-t-il fait pour durer ? C'est une question difficile. Le secret de sa longévité, c'est le choix du 20h. Jamais avare d'une facétie, l'homme est blagueur, optimiste de nature, végétarien. Il a arrêté de fumer depuis des lustres, tout ça, ça conserve. Mais la recette de sa verve artistique est ailleurs. En fait, même après avoir collectionné les tubes avec les Beatles, puis avec les Wings, son deuxième groupe, ou enfin en solo, jamais l'inspiration ne lui a fait défaut, parfois elle tombe même du ciel. Lorsque je m'installe au piano, j'oublie tout et il se passe quelque chose de totalement mystérieux. Je n'ai aucune idée de ce que je vais composer. Ainsi, la musique de Yesterday lui est venue en rêve. Écrite en quelques minutes à son réveil. Mais Mr. Paul est aussi un bosseur, un défricheur de tendance avide de nouveaux sons, et ce dès l'époque Beatles. En 66, les Beatles arrêtent les tournées, donc ils ont beaucoup plus de temps libre, et justement, McCartney se rapproche des milieux avant-gardistes, musique, édition, art. Ça l'a nourri, et ça le nourrit encore maintenant. Mais son vrai tour de force, c'est d'avoir survécu à la fin des Beatles, multipliant les collaborations, ancré dans son époque tout en assumant l'héritage de la plus fameuse aventure pop du XXe siècle. Ouais.